Nous sommes maintenant sur un panel sur le monde des obligations et nous allons parler justement maintenant des climatiques, des obligations climatiques. Vous êtes dans l'endroit correct pour parler justement de ce qui va fonctionner. Vous allez parler de EBS, de la plus grande entité d'émissions de bonds et nous avons également Clefpinchen de Danemark. Nous avons un fonds de pension de retraite qui a 1 milliard d'euros avec 35 000 personnes et ce qui est le plus grand, donc fonds de retraite de Jeanne d'Arc. Nous allons donc exploiter cette question. Et maintenant, nous allons voir le rôle des obligations vertes dans ce genre d'investissement. Et Samantha, je vais vous demander de commencer directement, votre pays à Stockholm, qui est un endroit très bien pour ceux qui ne connaissent pas la Suède. Aujourd'hui, le plus grand émetteur par tête d'obligations vertes dans le monde et un des leaders du marché. Et Samantha travaillait dans une banque qui a été pionnière et maintenant elle est dans une banque encore plus grande européenne. Je voudrais savoir comment vous voyez le monde des obligations vertes et le monde de la transition. Et Sean, je trouve ce sujet extrêmement important. Les obligations vertes ont un rôle extrêmement important à jouer dans la transition vers l'économie à zéro carbone, surtout les obligations avec l'utilisation de ressources. Nous travaillons avec les entreprises pour les aider à changer leur gouvernance et à s'ajuster justement dans les cadres et les structures des programmes verts. Et nous pouvons voir comment ce processus affecte ces institutions d'une façon positive et peut réunir les personnes dans une même organisation et améliorer l'agilité et la durabilité et faire la promotion justement de ce programme. De temps en temps, on se perd un peu sur les impacts réels des obligations vertes. Et c'est un énorme plaisir de pouvoir en parler. Et c'est important de pouvoir voir ces impacts. Je suis tout à fait d'accord. C'est très important parce que souvent, les personnes se demandent, bon, vous êtes en train de financer, je ne sais pas moi, un parc photovoltaïque, mais les obligations sont un titre de refinancement. Il y a eu un parc photovoltaïque qui a été financé dans le passé. Ça continue d'en être un. Mais les bénéfices environnementaux sont la partie intéressante, vraiment. Et vous allez voir de nouveaux clients, vous allez trouver de nouveaux clients dans EPS qui commencent à s'enthousiasmer pour cette possibilité, non? Oui, le changement est très important. Nous pouvons voir cela, des changements dans le spectre, les petites entreprises qui commencent à avoir plus de perspectives de pouvoir utiliser cela. Ils peuvent maintenant saisir ces titres et les travailler pour voir comment construire leur histoire de durabilité. C'est vraiment très bon de participer de ce parcours avec plusieurs entreprises. Et vous avez également participé de plusieurs expositions d'obligations vertes. Vous avez des plans ambitieux également. Parlez-nous-en, Anders. Oui, je voudrais seulement répondre rapidement à la question qui était soulevée. Il ne s'agit pas seulement de créer ce flux de décisions vertes, mais également être un catalyseur de changement. Et dans notre entreprise, nous avons investi un demi-milliard de dollars en obligations vertes. Nous sommes en train d'agrandir les objectifs verts et de génération solaire. Nous voyons que les obligations vertes seront un jalon, justement, dans cet investissement, dans ce portefeuille. Mais nous sommes, justement, dans un processus d'ajustement de nos ambitions, de nos objectifs, des principes. Et nous sommes
train de décider d'allouer une grande partie de nos fonds dans les obligations vertes jusqu'à 2030. C'est fantastique, le marché augmente et pour notre public aujourd'hui, nous pensons que ce marché va parvenir à 2 trillions de dollars cette année et va augmenter 80% par rapport à l'année dernière. C'est une croissance vraiment très rapide avec plusieurs opportunités d'investissement. Cet élargissement de l'horizon vous a permis de travailler sur ce challenge de l'affectation des fonds. Oui, c'est plus facile d'atteindre ces objectifs maintenant avec différentes actions parce que nous avons dû faire cet ajustement. Ces objectifs nous ont permis d'agrandir le marché et d'affecter une partie de notre portefeuille avec d'autres partenaires. On est en train de traiter cela avec une prime. Ce n'est pas encore suffisant pour répondre à toute la demande. Je pense que cette prime va chuter avec le temps, chose que nous voyons maintenant, parce que nous avons déjà publié plusieurs rapports de tarification et nous voyons les caractéristiques de retention des produits qui sont différentes. Alors même quand on a une liquidité adéquate, on a une désaccélération également, ce qui fait qu'ils augmentent en valeur du marché, ce que je pense sera très positif pour votre portefeuille. Oui, je suis d'accord. Alors qu'il faut ajouter cette différenciation. Samantha, vous avez un parcours similaire, beaucoup d'investissements et quelques clients de ce côté de la gestion des actifs qui sont en train de s'accroître également. Oui, en fait, c'est un peu dans la direction opposée des obligations vertes. Nous avons donc cette participation et ce sont des composantes qui viennent et surgissent. Et c'est ce que les investisseurs cherchent. Les finances durables sont une façon très intéressante de capturer cela pour les investisseurs. Le rôle des obligations vertes dans la transition est de changer les allocations pendant que les utilisateurs utilisent cela comme un refinancement vert, pour ainsi dire. Et cela aide dans les projets parce qu'on a davantage de bénéfices avec une plus grande création d'actifs. Revenons à l'aspect transitionnel dont vous avez parlé avec les changements de dynamique dont vous avez parlé. Il y a un facteur dans le fonds et dans quelques-uns des obligations, des titres dans lesquels vous avez investi. Vous voyez cela comme quelque chose de réel ou c'est une histoire d'allocation directe d'actifs? Dans les derniers deux ans, nous avons vu comment faire cet investissement vert. En quelques années, ces investissements verts ont grandi. Avant, il n'y avait pas cette exposition au titre vert, mais on était un petit peu en retard, disons, sur ce point. Les derniers 12 ans, nous avons passé par une courbe d'apprentissage qui est liée avec nos propriétaires qui sont maintenant plus focalisés sur ce programme. Et ils ont une voix qui est très forte et ils étaient en train de nous dire qu'il nous fallait appuyer la transition verte et il nous fallait donc avoir un portefeuille aligné avec ces objectifs verts. Bien sûr, les objectifs verts sont intéressants. Il y a donc une demande des membres, c'est ça? Oui, c'est exactement ça. On a eu un débat assez poussé dans la dernière assemblée et je pense que ce débat va se poursuivre dans la prochaine assemblée. Et oui, c'est une chose qui commence à avoir lieu. On travaille beaucoup pour promouvoir les investissements, les solutions pour le changement climatique. Et il est bon de savoir que les assemblées de fonds de pension donnent une valeur à cela. Et vous avez également parlé et vous avez vu beaucoup d'ambition dans les souverains. Vous pensez donc que ça a été concret pour avoir
une plus grande acceptation des souverains dans ce sens. Comment est-ce que vous voyez cela en Suède? Non, définitivement, je pense que nous avons deux parties pour cette question. On a les souverains qui saisissent cette responsabilité et montrent comment faire, comment agir dans le marché privé. Il ne s'agit pas de mots vains. Ils sont en train vraiment de mettre en vigueur ce qu'ils parlent. Et ça nous aide à changer le marché. Je pense vraiment à la durabilité. Et d'autres fonds également commencent à changer. C'est une façon de promouvoir la durabilité et montrer comment on peut agir sur les stratégies et les solutions. Et c'est ce qu'on voit, en fait, l'émission de souverain qui est en train d'être faite. Et nous avons vraiment un bilan qui est plus sain en Danemark. On a vu des émissions en d'autres monnaies qui ont eu lieu en Europe, en France, en Allemagne, Hollande, Suède, Belgique. Avez-vous une exposition pour ce genre de souverain? Est-ce que c'est utile à votre point de vue? Oui, c'est un portefeuille. Nous avons exposition au titre suisse également et exposition au titre du Danemark et de l'Allemagne. Et une marge d'exposition. La conversation que vos équipes ont eue avec les souverains, voyez-vous que cela est un résultat, que les trésoreries prennent cela, disons, en sérieux? Vous pensez que c'est un blanchiment? Non, non, non. En fait, c'est une partie très importante de notre discussion pour notre public parce que beaucoup de gens se soucient de cela, que ce puisse être un maquillage, disons un blanchiment, alors que c'est fondamental quand on voit des émetteurs qui parlent de changement interne. Je vais dire, Samantha, bon, nous avons vu cela dans les domaines bancaires, dans le monde entier. Je me souviens d'une banquière qui je disais que ses enfants étaient en train de faire son travail. C'est pas si peu habituel que ça. Oui, il y a cette question de la jeune génération est plus en ligne avec ce sujet que la génération plus ancienne. Mais vous avez soulevé un point intéressant. Les personnes veulent faire la bonne chose, la chose correcte. Et quelquefois, on va trouver un cadre plus fort. Mais la plupart du temps, je pense qu'on a vraiment ce chemin encore à parcourir. Et nous étions en train de parler justement du cadre de transition. Il y a des secteurs qui sont très élevés en carbone. Et si on parlait il y a 15 ou 10 ans, il y avait encore beaucoup d'entreprises très hautes en utilisation de carbone et qui essayaient de faire des transitions. Mais maintenant, nous voyons comment nous pouvons voir comment justement on peut traiter ce sujet de pétrole et gaz, de charbon, qui sont très intensifs en carbone, mais qu'il y a des entreprises qui sont maintenant engagées à changer de source d'énergie pour des sources qui soient basses en carbone. Et c'est tout un changement. Alors, s'il faut investir dans cela, il faut bien sûr aller faire un traçage de carbone. Mais si on veut aller derrière, justement, trouver une autre solution, nous sommes en train de penser à cette discussion, comment on va reconnaître les entreprises qui ont vraiment une stratégie vraiment ambitieuse de transition vers le bas carbone et comment les inclure dans cet univers. Est-ce que vous pensez, à votre sens, Anders, que c'est un développement, un progrès qui va s'ajuster à votre portefeuille? Comme investisseur, il faut faire certaines choses. D'un côté, il faut parler aux investisseurs avec lesquels vous allez continuer de travailler pendant cette transition. Et
Nous ne pouvons donc pas exclure la plupart des entreprises basées sur des combustibles fossiles, mais il faut penser également quel est votre rôle dans la transition, comment est-ce que vous pouvez donner de bonnes perspectives d'investissement qui soient plus durables. Et la troisième, il y en a une autre chose, il vous faut penser comment faire la gestion, où vous allez mettre votre argent, votre investissement. Est-ce que vous voyez cette transition avoir lieu assez rapidement? Comment est-ce que vous voyez cela? Et la vitesse de la transition. Et ensuite, faire ce que nous avons essayé de faire, créer des objectifs pour les émissions de gaz à effet de serre et comment les réduire dans votre portefeuille pour vous assurer que les objectifs sont alignés et qu'ils ne sont pas, on va être zéro net en 2050. Il faut y avoir des objectifs avant cela. Par 2025, il nous faut réduire, disons, 27% pour parvenir à l'objectif plus lointain. Et bien sûr, il va falloir demander aux autres parties qu'est-ce qu'ils vont faire également. Certains vont avoir des progrès différents et il faut donc prendre tout cela en compte. Et nous avons besoin de créer donc ce dialogue. Et vous avez justement pointé dans cette direction. Et il y a donc des entreprises qui prennent cela très au sérieux. C'est comme l'a dit Samantha, c'est déjà inclus dans beaucoup d'entreprises comment elles voient cette transition. Et ça a été une partie importante de votre travail, Samantha, n'est-ce pas? Oui, cela se superpose. Comme l'a dit Anders, il y a un niveau de complexité qui exige que les participants puissent vraiment intégrer cela et comprendre ce qu'il leur faut faire, ne pas avoir peur également d'avoir un portefeuille plus intense en carbone qu'il ne devrait avoir. Il nous faut penser que c'est un équilibre vraiment très, très délicat. Et de temps en temps, du côté de l'entreprise, il y a le stigma de cette transition des labels et ce malentendu, disons, de moins de coûts, mais on peut soulever l'argument qu'un cadre comme celui-ci réduit l'impact plutôt plus que le verre. Alors, il y a le stigma qui doit être vraiment résolu et il faut créer des trajectoires en ligne avec l'objectif de 1,5 degré. Pour ceux qui sont dans la conférence du CBC, nous avons une réunion le jeudi avec les représentants des parcours pour CBI, FD, Rocky Mountains Institute qui vont parler à propos de cela et offrir des outils pour que nous puissions prendre les décisions. Et il nous faut vraiment penser à ces questions parce qu'il ne s'agit pas seulement d'avoir une transition linéaire du marché, mais les changements ont lieu très rapidement et c'est un vrai défi. C'est pour cela qu'il nous faut avoir cette conversation et avoir cette opportunité de parler de transition parce que nous n'avons pas pu démontrer cette question des investissements. Le marché des obligations vertes est devenu une industrie gigantesque et nous avons maintenant cette nouvelle opportunité. Alors, je vous félicite pour le travail que vous avez fait ces dernières années. Oui, ça a été un énorme plaisir de participer de ce parcours. Et vous avez beaucoup aidé. Vous voyez tellement que la conversation a changé. Je dois dire que ça a commencé en Suède et j'ai eu la chance de participer. Je suis curieuse de voir où on s'achemine. Si on analyse le marché d'une façon plus ample, où pensons-nous que cela va nous mener? Si on avait une boule de cristal, où est-ce que cela va nous mener? Comment est-ce que ça va se développer? Comment est-ce que vous voyez ça, vous? En fait,
Je crois que la croissance de ce marché a été de 360%. Et ça s'est développé énormément. Je pense que ça va continuer de s'accroître avec les préoccupations liées au changement climatique. Et nous avons le capital pour effectuer cette transition. Et bien sûr, nous aurons tout cela dans un marché. C'est une histoire que nous pouvons voir, donc de croissance. C'était tellement intéressant. Le panel de fond, c'est que nous avons justement des problèmes pour augmenter l'échelle de ce marché. Nous avons eu quelques entreprises centrées dans le marché. Nous avons le comité européen qui sont un programme d'émission pour le marché également. Alors, les choses sont en train de se passer. Nous pouvons voir maintenant si nous pouvons créer un accord également entre les États-Unis et l'Europe. Les annonces du côté de Washington sont assez intéressantes. Et si vous pensez que l'accroissement va pouvoir suivre cela, si nous continuons de voir justement plusieurs investisseurs qui continuent d'augmenter leurs investissements, je pense qu'apparemment, on peut tenir le rythme entre les émetteurs et les investisseurs, n'est-ce pas? Ça paraît très bien. C'est parvenu à un point où il ne faut plus penser à propos de cela parce que là, ça fait tout simplement partie du marché de bond emissions, les obligations vertes. Nous étions en train de penser justement, nous parvenons à la fin de notre séance, nous avons parlé des bénéfices et des prix, nous voyons là les investissements énormes en euros et nous voyons donc qui a ces caractéristiques du marché secondaire qu'il est important de mentionner parce que nous avons beaucoup d'investisseurs qui commencent à favoriser cela. Bien sûr que ces investisseurs veulent un retour pour leurs fonds de pension, pour leurs économies, qui puissent, nous voyons également un intérêt de part des assurances. L'investisseur individuel n'a pas tout ce pouvoir. Mais si on change la situation, nous avons vu cette caractéristique ces derniers deux ans et Climate Action. Vient de dire comment est-ce que vous pensez si c'est constructif, comment constructif, où on peut parvenir, si on peut parvenir à un grand changement dans le rythme. Je pense que beaucoup d'investisseurs se rendent compte qu'il y a quelque chose à être fait, qu'ils ont quelque chose à dire en fait, et que pour nous, ça a été vraiment très actif également, et vraiment, je crois que nous pouvons faire beaucoup de choses. J'ai été surpris. Je me suis senti surpris également de comment nous pouvons avoir une vraie conversation avec le haut management et la direction, ce qui montre que cela montre qu'il y a un rôle justement pour les investisseurs en fait de faire beaucoup de choses. Et Samantha, je dirais que s'il y avait ce marché en croissance libéré par les investisseurs, ce serait plus difficile d'avoir les coalitions nécessaires parce que nous avons vu ces flux positifs d'investissement. Et avec ce changement, nous parvenons justement à avoir un accroissement très positif. Ça se tient. Oui, je pense que oui, ça se tient très bien. Et nous ne pouvons pas mésestimer le rôle des obligations vertes car cela nous a permis de développer d'autres produits dans les finances comptables. Et pour moi, c'est tout simplement un instrument qui permet aux entreprises d'exécuter leur stratégie de durabilité. Et c'est là que je vais m'arrêter. Oui, d'accord. Merci beaucoup. Quelque chose à mettre en œuvre vraiment pour faire une différence. Et pour notre public, vous venez d'entendre vraiment des histoires merveilleuses de l'individuel. Je voudrais que vous vous rendiez compte de quelque chose de très spécial, justement la question du portefeuille
mais justement de cette histoire de combiner d'autres actifs avec ces fonds pour que nous puissions effectivement faire un changement collectif qui est la caractéristique de 2021, les coalitions lancées cette année. C'est une histoire extrêmement importante de parler de la croissance du marché, les bénéfices que nous savons y avoir qui vont bien au-delà du programme de obligations et de titres avec une dynamique de changement. J'espère que vous serez d'accord, mais je dirais que l'un des principaux changements à bénéfice, c'est que nous avons vu que les investissements dans les investissements thématiques n'est pas un jeu de perte. On peut avoir de très bons retours, très solides, et cela a été un changement extrêmement intéressant de ces dernières années. Et vous êtes d'accord avec moi? Oui, très certainement. Les retours sur l'investissement sont là, ce qui signifie que le capital sera là également. Et c'est l'idée, non? En fait, ce n'est pas quelque chose que l'on puisse mésestimer pour pouvoir optimiser ce sentiment d'opportunité que nous avons et quand nous devons investir 90 à 100 trillions de dollars dans les changements climatiques d'ici jusqu'à 2030. Et c'est vraiment un projet assez ambitieux et nous voulons montrer que c'est une opportunité pour avoir de bons résultats, de bons retours, ainsi qu'une planète durable. Alors, merci beaucoup à vous deux pour avoir participé de cette séance. Et comme je sais, beaucoup d'entre vous sont ici dans cette, ce sommet des obligations climatiques. Et ceci est une présentation des conférences qui est un exemple justement de coopération, comme vous le voyez, que nous sommes en train de développer entre banques, les fonds de pension, les ONG comme nous-mêmes pour effectuer les changements qui sont si nécessaires en ayant de bons retours pour avoir une planète plus durable qui est justement la grande prime. Merci beaucoup, Samantha, pour votre travail, pour être ici avec nous. Merci.